On est à Laval pour l'inauguration de la nouvelle salle de montre Les Rangements y dérangent. Plus de 25 ans d'innovation et de smart living pour favoriser votre espace. Autrefois, je ne sais pas si les besoins étaient différents. Peut-être que les gens ne connaissaient pas vraiment leurs besoins, mais les gens qui voulaient maximiser leur garde-robe, ben, ils allaient à la quincaillerie puis ils se débrouillaient avec ce qu'il y avait. Donc, nous, on a perçu ce besoin-là. On l'a perçu, en fait, dans les rayons de grandes quincailleries. On regardait les gens devant les rayons des tablettes, puis là, les gens avaient l'air complètement désemparés. Là, on s'est dit, ça prend un service clé en main. Et c'est comme ça qu'on est parti. Il y a de plus en plus de condos qui sont vendus avec au moins une chambre à coucher qui n'a pas de garde-robe. À ce moment-là, bien, on a besoin d'une solution. Ça peut être des armoires faites sur mesure, mais ça prend un lit aussi. Donc, le lit escamotable, le lit mural auquel on greffe du rangement, c'est vraiment la solution idéale. Parlez-moi un petit peu du smart living. Ça consiste en quoi? Bien, c'est l'optimisation de l'espace. Hein? On peut voir ici dans la salle de montre qu'on a des lits escamotables. On sait que les condos rapetissent de plus en plus, le pied carré de plus en plus cher. Alors, il faut trouver des façons inventives et imaginatives d'occuper son espace, autant dans le rangement que dans son aménagement de salon ou de chambre à coucher. Depuis 2003, on fait un partenariat au niveau des rangements avec la compagnie Iderange. Il y a une valeur ajoutée dans les produits des Iderange, c'est-à-dire que dans notre package de base, qui est déjà quand même bien rempli, Iderange prend en charge nos clients et par la suite peuvent offrir une personnalisation de l'intérieur des rangements. On essaye de satisfaire nos clients le plus possible. C'est pour ça que notre partenariat avec Iderange est une belle réussite depuis toutes ces années. Moi, je veux qu'on parle un peu de l'immobilier à Laval. Ça bouge beaucoup. Parlez-moi-en un petit peu. Bien, écoutez, les valeurs des permis ont doublé de 2014 à 2015. Et nous avons énormément de projets. Alors, c'est très dynamique, ça bouge beaucoup et c'est dû, entre autres, au dynamisme, à la créativité de nos entrepreneurs et nos gens d'affaires. Aussi, ça va redessiner le centre-ville de Laval qui existe malgré la rumeur qu'il n'y a pas de centre-ville à Laval. Alors, vous allez voir les développements dans les prochaines années. Je peux vous dire qu'il y aura plus d'un milliard de dollars d'investissement dans le centre-ville de Laval dans les prochaines années.